Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes donc aujourd'hui à Tauve, ville départ, jumelée avec Saint-Sauve pour le départ, et ville d'arrivée de l'étape du Tour d'Auvergne. Et j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Monsieur le maire de Tauve, Christophe Serre. Christophe, vous êtes satisfait de ce départ, de cette organisation, de cette convivialité qui s'installe sur votre ville ? Bien, la journée se lance bien. Il y a un peu d'émotion, un peu d'excitation parce qu'il y a un vrai enjeu sportif. On a un jeune du coin, Maxime Roger, qui est dans l'équipe qui porte le maillot jaune. Donc il misait beaucoup pour cette étape. Il rêvait de gagner l'étape et il a dit tout de suite sur la présentation des équipes sur le podium qu'il allait jouer l'équipe pour défendre le maillot jaune. Et c'est là où on voit vraiment que le cyclisme est un très beau sport, un sport d'équipe et non seulement un sport individuel. Et donc moi je souhaite une magnifique journée. Ici la commune, les associations sont mobilisées, les communautés de communes. Donc c'est une belle journée pour notre village et pour notre territoire Sancy-Hirtense. Ce que je peux dire, c'est que pour un organisateur, quand on arrive dans un village, parce que c'est un village, un grand village, mais avec un tel accueil et avec un tel ressenti d'un grand événement, eh bien, ça nous va droit au cœur et j'en profite pour dire merci à Monsieur le maire et à son équipe, à tous ses employés municipaux qui ont travaillé lourdement, je pense, pour préparer cet événement. Autrement, un petit pronostic pour ce soir, Christophe ? Que le maillot jaune reste sur les épaules de M. Fournet-Fayard, dont le nom est connu dans le monde du vélo depuis longtemps, et puis qu'il ait une belle course. Il n'y a pas un morceau de plat sur cette course qui va aller de Saint-Sauve à Orcival, à Avez, où vous passez souvent, la Rode, et remonter jusqu'à Saint-Donat et revenir par la Tour d'Auvergne. Donc que la course soit belle, qu'on fasse la fête pendant la course et après la course. Et on vous promet un bon moment de convivialité ce soir, avec un concert et avec une truffade géante. Merci Monsieur le maire. Le sprint, on va continuer avec les